Encore plus long terme, évidemment, j'ai une petite pensée pour les JO de Paris. Donc voilà, ils sont là dans un petit coin de ma tête. J'ai les cibles depuis maintenant 3 ans, donc je suis en troisième année. Donc première année de cycle ingénieur. Je fais du judo. Voilà, je suis dans l'équipe de France, je suis dans la catégorie des moins de 60 kilos. Et je m'entraîne bicotidiennement à l'INSEP. J'ai fait deuxième au championnat du monde en cadet, donc cadet c'est moins de 18 ans. J'ai été champion d'Europe cadet, j'ai été champion d'Europe junior en moins de 60 kilos. Et j'ai été deux fois médaillé de bronze au championnat du monde junior. J'ai fait du coup l'année dernière deux médailles en grand slam, deux places de, enfin, deux médailles de bronze en grand slam, au grand slam de Paris et au grand slam de Budapest en senior, donc chez les grands, chez les pros. Et j'ai été plusieurs fois champion de France en individuel et en équipe, en cadet et en junior. Il y a des grands slams qui sont bientôt prévus d'ici le mois d'avril, mai, juin. Ensuite, le master, donc c'est la compétition avec les 36 meilleurs judokas du monde. Puis un peu plus long terme, d'ici novembre, j'aimerais participer aux championnats d'Europe, donc être sélectionné d'abord, parce que les championnats du monde qui arrivent, j'ai malheureusement, il y a peu de chances que je sois sélectionné. Et à encore plus long terme, évidemment, j'ai une petite pensée pour les JO de Paris. Donc voilà, ils sont là dans un petit coin de ma tête. Mon meilleur souvenir sportif, c'est quand j'ai gagné les Europes en junior, du coup en 2021. C'était la journée parfaite. Voilà, je passe moins de 4 minutes en tout, sur tous mes combats sur le tapis. Donc franchement, journée parfaite, tout me réussissait. Et forcément, avec la médaille d'or au bout et la Marseillaise, ben, ça a une autre saveur qu'une place de 3. Et ouais, pour l'instant, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs. Si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait ne jamais être fatigué. Ça me permettrait de faire vraiment beaucoup de choses et ne jamais dormir. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Mais voilà, ça serait ça mon super pouvoir. Romano, voilà, pour Romain, le travail paye.